Ouais, c'est ça, ouais. Oh putain. Pourquoi moi ? Quatrième suicide dans la semaine dans le secteur. Tous en jouant à du poker en ligne. On pense que c'est les hypnotiseurs. C'est qui ça ? Ils ont eu un cas similaire à Lyon en 2007. C'est Lefebvre qui a fait le rapprochement. Je les ai appelés. Ils ont abandonné l'enquête, le mec a laissé aucune piste. Il les a tous poussés au suicide. Mais il les a pas ruinés avant ? Même pas. On a l'historique de la conversation ? Et qu'est-ce qu'on sait sur lui ? Il s'appelle Silvio Barella, d'origine italienne. Tout ça ? Grégoire Firmin ? Bonjour. Bonjour. J'aurais quelques questions à vous poser. Et vous êtes ? Flic. Vous aimez le poker ? Oui, un peu. Vous jouez régulièrement ou... Oh ben, une fois, deux fois max par semaine. En live ou sur internet ? Non, en live. J'ai commencé par internet, mais le mieux c'est quand même sur le terrain. C'est clair. Plus d'adrénaline, non ? C'est ça, ouais. Certaines tensions. Et vous misez gros ? Oh. Non. Moi, je gagne pas grand chose, donc bon. Je reste un petit joueur. Mm-hmm. L'hypnotiseur, ça vous dit quelque chose ? Oh, ça va pas ? Bonjour monsieur, je peux vous servir quelque chose à boire, à manger ?
Ouais, Carlito, écoute. Ouais. Écoute bien, j'ai rendez-vous avec notre cible. Avec qui? Et l'hypnotiseur. Carlito? Allô? Allô? Ah, oui. D'accord, on va ça demain. On va ça comme ça. Lefèvre, c'est Jean-Marc? Oui. Dis-moi, est-ce que tu ferais quelque chose d'illégal sans me demander pourquoi si je te dis que c'est pour sauver un des nôtres? Écoute, discute pas, coupe la connexion internet de Carlito, je t'expliquerai plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Et il se passe un truc grave, je t'expliquerai, allez. Chez Houdini. Je vais prendre mon temps un peu, hein. Il fait chaud. Pas un peu chaud? Tu vas gagner? Fait un peu froid maintenant, hein. Ça, tu penses que tu vas gagner, tu penses que tu vas prendre mon argent. Tellement de mecs comme toi. Alors maintenant tu prends ton flingue. Doucement. Tu vas gentiment le pointer sur ta tempe. Ça va exploser. Chut, doucement, doucement, on n'est pas pressé. J'adore ce moment, juste avant. La petite peur juste avant. Tu vas mettre ton flingue sur la tempe. Et tu vas disparaître. Broyé. Désolé, j'écoutais pas.